les amis, ça va? Vous allez bien? Et oui, ici on dit allô, on dit pas bonjour. Ça y est, je suis devenue québécoise. On va faire un gratin de pommes de terre. Pour ce gratin, il nous faut des pommes de terre coupées en rondelles, ni trop fines, ni trop épaisses. Il va nous falloir aussi un mélange de crème liquide et de lait. Moi, j'ai 500 millilitres entre la crème et le lait. Je vous laisse le choix de choisir la proportion que vous voulez. Il nous faut aussi du sel, du poivre, de la noix de muscade et de l'ail. Moi, mon ail, il est devenu vert. Je ne comprends pas pourquoi, parce que je l'ai mixé pour le stocker dans mon congélateur avec du sel. Et mon sel, c'est du sel rose de l'Himalaya. Et il est devenu comme ça, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va prendre notre mélange de crème et de lait. Et on va mettre le sel, le poivre, la noix de muscade, l'ail à l'intérieur. On va tout mélanger. Et après, on va juste venir mettre tout ce petit monde sur nos pommes de terre. Voilà. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de l'ail qui est devenu vert? Je comprends pas. Moi, je me suis dit peut-être parce que le sel, il est rose et ça a fait ça. Je ne sais pas, j'ai pas compris. En tout cas, moi, je continue de cuisiner avec. Je pense pas que ça craint. Et voilà. Après, je vais mettre tout ça dans un four préchauffé à 180 degrés. Je vais tout d'abord couvrir mon plat gratin avec du papier alu et je vais mettre au four pendant une quarantaine de minutes. Alors, au bout de 30 minutes, je vais enlever mon papier alu et je vais laisser gratiner un petit peu. Après, si vous voulez mettre du fromage râpé, c'est à votre choix. Voilà, mon gratin, il est déjà prêt. Vous pouvez le présenter avec un bout de viande, un morceau de poisson, ce que vous voulez. Il est très facile, rapide à faire. Ça sauve quand on n'a pas d'idée de repas. Bon ben, ma vidéo, elle est finie. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications pour les prochaines recettes. Au revoir!